Les dépôts de candidatures pour la présidentielle du 6 octobre en Tunisie débutent ce lundi 29 juillet, selon un communiqué de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Le président Kais Saied brigue un second mandat à la tête du pays. L'homme de 66 ans pourrait faire face à environ une centaine de challengers. Selon Radio France Internationale, au moins 97 candidats s'étaient déjà déclarés avant même l'ouverture officielle des inscriptions. Le rappeur Kaderim, de son vrai nom Karim Garbi, ex-gendre du président déchu Zinel Abidine Ben Ali, a annoncé sa volonté de briguer la magistrature suprême tunisienne, ainsi qu'un cinéaste, un cardiologue et des membres de partis politiques. Depuis la prison, l'opposant Issam Chebbi a renoncé à se présenter, faute de pouvoir réunir les 10 000 parrainages requis. Loftim Khaï est quant à lui exclu. L'opposant est condamné depuis le 18 juillet à 8 mois de prison pour fraude électorale lors de la présidentielle de 2019.